Salut à tous. Dans cette vidéo Dis Tonton Fred, qui sera l'épisode 86 de la série, je vais aborder un sujet qui concerne l'utilisation abusive du terme distribution. Parce qu'il y a deux types de projets en informatique libre liés au monde des distributions. Il y a la distribution à part entière et il y a ce qu'on appelle les respin. Respin, en anglais, to spin, c'est tourner. Respin, c'est retourner. On pourrait traduire ça par ravalage de façade, saveur complémentaire ou quelque chose de ce style. En gros, le respin, c'est on prend une distribution, on change 2-3 trucs et boum, on a la respin. Après, c'est une question d'honnêteté. Donc, je vais prendre deux exemples. On va commencer d'abord, avant de prendre des exemples, on va commencer par définir les deux domaines. De manière plus claire. Pour moi, une distribution, elle part de la feuille blanche et crée autour d'elle tous les outils et un écosystème qui tourne autour. C'est Arch, Debian, Red Hat avec sa Fedora, Gentoo et la Funtoo, Slackware, Ubuntu, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? SUSE, pour les grands noms. J'espère n'avoir oublié personne. Je ne pense pas si j'en ai oublié, mais à coup pas. Et des projets plus intimistes comme la Chakra, comme la KOS ou encore la Nutix. Ce sont des distributions à part entière. Bien sûr, aussi la Crux, mais c'est vraiment des projets beaucoup plus intimistes. Voilà. Là, on est dans le domaine de la distribution pure et dure, celle qui part de la feuille blanche et qui décide de tout recréer. Et on a les Respin, celle que je critique souvent dans ma série DGLFI, parce qu'on se résume à changer le thème d'icône, le fond d'écran et boum ! Voilà ! Ce n'est pas une distribution, c'est un ravage de façade. Il ne faut pas confondre deux projets. Donc c'est pour ça que des projets de ravage de façade, des Respin qui se foutent sur DistroWatch, je ne trouve pas ça honnête. Donc, je vais vous montrer deux exemples. Bon, exemple, je pourrais prendre Debian ou autre, mais je vais prendre l'exemple de la Arch Linux, la TuxenVap, pour laquelle je suis bêta-testeur. Et un autre projet pour lequel je suis bêta-testeur, donc deux projets que je connais à peu près, l'Anarchy Linux, anciennement Arkinyware. Donc voilà. Si on va sur le site de TuxenVap, c'est bien précisé, je vais vous le mettre en gros. Voilà, vous avez pu lire. Nous vous proposons aussi des images ISO basées sur la Manjaro, mises à jour chaque mois à la dernière version disponible et aussi légère que possible. En gros, c'est une Manjaro avec des saveurs complémentaires qui ont existé ou qui n'existent plus en officiel au niveau du projet Manjaro. Point final. Ce n'est pas une distribution de TuxenVap, c'est un respin. C'est des saveurs complémentaires. Il n'y a aucun outil rajouté. Il y a juste un outil qui change, voire un autre environnement de bureau qui est proposé, mais il n'y a rien d'autre. Ce n'est que du ravage de façade. D'ailleurs, ça sera confirmé dans un live, mais l'équipe de TuxenVap ne veut pas être rajoutée sur DistroWatch. Ce n'est pas son but. Son but est de compléter l'offre de Manjaro. Point final. Que des personnes ne veulent pas entendre ça, c'est leur problème. Et maintenant, je vais prendre le cas de l'Anarchy Linux. Et c'est bien précisé sur la page d'accueil. Anarchy is based on Arch Linux, but not supported. Anarchy est basé sur Arch Linux, mais n'est pas supporté par Arch Linux. C'est un projet un peu à l'Antergos, mais qui est largement plus honnête qu'Antergos, c'est-à-dire que c'est un installateur qui a décidé de passer à l'étape suivante, de proposer une image ISO en mode graphique, que je vous présenterai peut-être dans une future vidéo, du moins une future vidéo au moment où j'enregistre celle-ci, mais il précise bien, c'est bien précisé, c'est bien précisé que c'est basé sur Arc. D'ailleurs, Anarchy, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Arc. Et si on regarde bien, Arc est bien en vert, on voit le logo vert. Je vais le mettre plus gros. Si on grossit bien, on voit bien que le Arc de Arch Linux est bien précisé au milieu. Donc là, je reviendrai plus tard sur le projet, dans une vidéo. Mais voilà. C'est une respin qui a décidé de passer à l'étape suivante. Elle proposait aussi son installateur. Donc, ils avaient fait déjà la moitié du chemin. Ça est en train de devenir une distribution. À part entière. Mais ils ont au moins l'honnêteté de dire on est basé sur Arc.
on n'a pas parti de la feuille blanche. C'est pour ça que des projets comme ça, c'est quand même plus agréable, ils sont honnêtes. Et l'honnêteté, ça manque pas mal dans le monde du libre en ce moment. Ça, c'est une petite remarque que je fais en passage. Donc, que ce soit le projet Manjaro Tuxenvap, parce que l'appellation officielle, c'est Manjaro Tuxenvap. Donc, on entend bien le terme Manjaro. C'est une respin. C'est un ravage de façade. C'est des saveurs complémentaires. Anarchy se base sur Arc pour proposer un projet à part entière. Il y a aussi, bien sûr, des machins comme la Artix. Mais 4 personnes pour maintenir un projet from scratch, non. Parce que je vais revenir rapidement sur Arch Linux. Parce que si on prend l'équipe d'Arch Linux, je vais vous montrer le nombre de développeurs qu'il y a. Juste pour mémoire. Ben, si on va sur les développeurs. Alors, développeur, voilà. Vous avez environ une quarantaine de noms. Je vais vous dire ça combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Il y a 38 développeurs qui s'occupent du cœur de la distribution. Donc vous voyez quand même, pour une distribution complète, il faut minimum une vingtaine, voire une trentaine de personnes pour être tranquille. Spécialement pour une rolling. Si on prend les trusted users, je dirais à vue de nez qu'il y en a à peu près autant. Je ne vais pas les compter, mais à vue de nez, il y a facilement une quarantaine de personnes. Et le support, d'avoir des recoupages, mais vous voyez, pour une distribution à part entière, il faut un peuple monstrueux. Regardez les nombre de développeurs de Debian, il doit être facilement une bonne centaine. Je ne sais pas combien ils sont, mais s'il y a pas loin d'une centaine de développeurs pour la Debian, c'est le cas. Donc, un moyen de savoir si vous êtes en face d'une respin ou une distribution à part entière, regardez le nombre de développeurs. Si vous avez 3-4 personnes, il y a de fortes chances que ce soit un respin. Parce que des distributions avec 3-4 développeurs, je souhaite bien du courage. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu et que maintenant vous saurez faire la différence entre respin et distribution. Ciao !